Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de juin 2024. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de pouvoir me contacter directement via la page réservation du site internet. Vous avez le lien sous la vidéo pour une consultation personnalisée. Sinon, je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'informations pour cette vidéo. Bien évidemment, faites preuve de discernement. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre comme les mois précédents pour donc, ce mois de juin, c'est-à-dire les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière, les amis vierges. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va ressortir pour vous comme énergie? Alors, le 4 de Pentacle, le 4 de Deniers. Donc ici, ça va être... Alors, déjà une notion peut-être d'économie. Les Deniers, on est sur ce qui est matériel, sur ce qui est aussi financier. Hein, donc, on garde les sous au chaud dans le porte-monnaie. C'est également une retenue. Alors, ça peut être se retenir par rapport à des sentiments, se retenir par rapport à une communication. Parfois, on peut avoir du mal à aller ou à donner quelque chose. Et donc, on est plus dans la retenue. C'est ce qui va être à dépasser ici pour vous sur ce mois de juin. On va aller voir un petit peu plus loin votre carte lumière, donc ce qui va faire votre force, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois à venir. Et nous avons ici le hiérophante. Alors le hiérophante nous parle de sagesse. On peut avoir également ici des choses qui s'officialisent pour vous sur ce mois de juin. Alors pourquoi pas des liés à des investissements, liés par exemple aussi à des prêts, quelque chose que vous attendiez d'ordre financier. Il peut y avoir ici une décision officielle qui se met en place. Mais au-delà de ça, le pape, c'est vraiment aussi une notion de se faire entendre, d'apporter peut-être des conseils ou de recevoir de votre côté des conseils. On peut avoir des personnes comme ça autour de vous qui seront comme une espèce de guide. Alors parce que peut-être qu'ils ont un champ d'expertise qui va vous intéresser sur ce mois de juin. Ça représente également les formations, les apprentissages, les apports de connaissances. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec un petit message, un petit conseil des fées. Alors, nous avons la fée Vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? C'est intéressant parce qu'effectivement, ici, on a cette notion de préserver quelque chose que vous avez durement gagné par la sueur de votre front, par l'énergie, le temps que vous y avez mis. Et ici, vous êtes peut-être dans cette forme de « je veux protéger ces acquis ». Et puis finalement, on te dit peut-être que tu as des craintes par rapport à ça, mais tes trésors, effectivement, ils se trouvent ici, mais je pense qu'il y en a effectivement d'autres que tu vas pouvoir découvrir sur ce mois de juin. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, avec un nouvel oracle, c'est oracle, d'ailleurs je vous dis des bêtises, c'est un tarot. C'est le tarot du manga moderne que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps. Et donc, je vais vous faire ce petit tirage avec. Vous allez retrouver, si vous le souhaitez, le lien directement sous la vidéo. Ben, vous avez un très beau tirage. Hop, ok. Alors, très beau tirage. Ici, on a une épée. Sinon, on a pas mal de bâtons et un petit peu de denier. Nous n'avons pas de coupe. Donc, ça peut ici concerner le domaine d'un projet.
personnel, d'un projet professionnel. En tout cas, ici, on voit que vous avez déjà un bel ancrage, une belle stabilité. On a le 4 de bâton qui nous parle ici de célébration. Donc, c'est célébrer ici, a priori, déjà le chemin que vous avez parcouru, vos réussites. Il peut y avoir d'ailleurs des festivités aussi hein, qui sont présentes pour trinquer, pour fêter ici un succès. Et c'est tout à fait possible ici que le hiérophante, le pape, c'est cette énergie de guide, cette énergie de conseil et de maîtrise. C'est quelque chose qui vous appartienne tout simplement sur le mois de juin parce qu'avec ce roi de bâton, on voit que vous êtes ici en position de maîtrise. Vous régnez sur un projet, vous régnez sur un domaine où vous êtes justement capable d'obtenir les effets ici que vous voulez. C'est cette notion d'autorité, c'est cette notion de chef de file, de leadership. En tout cas, on voit que vous êtes focalisé ici sur vos résultats. On voit aussi que vous avez le sens du défi. C'est-à-dire que même si ici il y a des célébrations, même si ici il y a déjà des réussites, vous avez l'envie d'aller explorer déjà de nouveaux défis. On voit que vous avez une bonne confiance ici en vous. Il y a aussi cette nécessité de toujours vouloir améliorer les choses. Vous avez finalement ici ce sens du défi. Cette énergie active qui vous permet toujours finalement de prendre les choses en main. On a une notion de pouvoir qui est là. Alors ici, c'est utiliser son pouvoir pour pouvoir mettre en place de nouvelles actions. Les choses se concrétisent, se mettent en place. Et malgré tout, parce qu'on sent qu'il y a un côté, même si, oui, si on l'a ici, très analytique avec la reine d'épée, on sent que vous laissez aussi une part à votre intuition, à votre propre guidance intérieure. C'est-à-dire que dans vos choix de projet ou dans les projets, dans les décisions que vous allez devoir prendre pour voilà votre objectif que vous allez que vous souhaitez atteindre, on voit que vous laissez une place, une part importante à votre propre guidance intérieure, à votre propre intuition. On a la lune ici. La lune, c'est aussi cette notion de créativité. Je me laisse porter. Et puis, on a ce 2 de bâton qui vient clarifier les choses, qui vient organiser, planifier les choses. L'étoile nous indique ici tout simplement la chance qui vous accompagne. La protection qui est présente, mais en fait tout simplement parce que vous êtes sur la bonne voie, tout simplement parce que vous êtes sur le bon chemin. 9 de denier, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ici? C'est vraiment, vous avez atteint un objectif, vous pouvez déjà, d'ores et déjà sur ce mois de juin, profiter ici de ce que vous avez pu mettre en place. Cette notion finalement de jouir de cette réussite, on voit que ici vous êtes comblé, on a une notion d'oisiveté, on a une notion ici d'opulence, de confort, notamment matériel. On voit que vous êtes autonome ici financièrement. D'ailleurs, on vous parle, c'est même plus d'équilibre financier, c'est que là vous avez une notion de réussite financière. Mais cette réussite, elle n'est pas venue de nulle part. Elle est venue de par votre travail, de par ce que vous avez mis en place, par parfois peut-être les risques que vous avez pris pour pouvoir suivre votre voie et votre chemin. Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être qu'à une étape que vous célébrez, et les projets que vous êtes en train de planifier et de mettre en place vont vous permettre justement d'atteindre cette étape, d'être comblé. Ce moment où vous allez pouvoir récolter finalement le fruit de vos efforts. Il y a d'ailleurs peut-être aussi certaines personnes ici qui sont sur un projet où vous allez pouvoir arrêter par exemple de travailler ou vous mettre à la retraite. Donc ici on a cette célébration, ça peut être tout simplement bah voilà le pot de départ, toutes les petites festivités qui vont être en lien voilà avec la notion de départ, et vous allez pouvoir enfin vous projeter ici sur ce que vous avez toujours voulu faire, avec pourquoi pas ici de nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place, parce que le valet de bâton, c'est que là ici il y a quelque chose qui vous a toujours rendu curieux, que vous avez toujours eu envie d'explorer, et ça va peut-être être tout simplement ici le bon moment pour pouvoir le mettre en place. Alors ce qui est intéressant également, c'est que ici on a un couple, on a le roi de bâton et on a la reine de bâton. On a un roi de bâton qui va beaucoup fonctionner à l'intuition, à l'envie, à la passion, et on a cette reine de bâton, donc une énergie plus féminine qui effectivement elle aussi a envie de vouloir
combler finalement ici les désirs, les nouvelles envies, mais on a un côté plus rationnel, plus analytique, peut-être aussi plus réfléchi sur justement la manière de gérer les choses. Alors par exemple ici, vu qu'on avait en carte ombre ce 4 de denier, il est tout à fait possible ici d'avoir un couple par exemple avec quelqu'un, donc notamment ici une énergie masculine qui foisonne d'idées, qui a envie de tester plein de choses, de partir à l'aventure, de poursuivre en fait tout simplement ses rêves, et puis une énergie féminine qui va être un petit peu plus dans la tempérance en disant ok, mais attention, il faut bien que l'on gère notre côté financier, l'argent, le côté matériel, donc qui ne met pas forcément le holà, mais qui, j'ai envie de dire, tempère les choses. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Aliaske. Alors, on va se faire un petit tableau en 9 cartes. Oh, c'est pas possible. La chance, oui, tout à l'heure on avait cette notion d'étoile. La chance ici qui vous donne un sacré coup de pouce. Vous avez un coup de pouce du destin, j'ai envie de dire ici, sur ce mois de juin. Alors, on a ici une femme qui... Alors, une femme ou en tout cas, parce qu'on est sur un tirage général, ça va représenter vous qui regardez cette vidéo ou quelqu'un qui fait partie de votre entourage. On a quelqu'un ici qui est dans la créativité, qui a peut-être un côté un petit peu original, voire aussi un côté artistique, quelqu'un qui aime bien les belles choses, quelqu'un qui veut aussi peut-être créer de belles choses. Peut-être un projet artistique, alors ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être dans la musique, ça peut être dans un sport, ça peut être l'écriture, ça peut être voilà, plein de choses de cet ordre-là, avec l'envie vraiment de voir naître ce projet, de lui donner une ampleur. Et on retrouve d'ailleurs ici un bel équilibre entre les pensées, entre la spiritualité, entre l'intuition. C'est j'ai envie de créer, mais pas pour gagner de l'argent avec, mais pour apporter quelque chose, pour partager, pour transmettre. Et c'est ça aussi le pape, c'est la transmission. Donc ça, on a une noble cause en fait par rapport à ce projet artistique, par rapport à ce projet créatif. On a ici cette voix qui était présente, mais le souci c'est qu'il y avait certainement des blocages. Soit parce que vous avez déjà essayé de le mettre en place et puis finalement il y a quelque chose qui était un petit peu dans la stagnation, soit aussi c'est parce que tout simplement c'est quelque chose de nouveau, donc vous ne savez peut-être pas comment faire, vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre, quelle direction exactement prendre. Et parfois quand c'est comme ça, vous savez, on avance, mais un petit peu à tâtons, on a vraiment cette notion de prudence parce qu'on n'a pas envie de tomber dans quelque chose qui ne nous correspond pas, tomber dans un piège. Il n'y a pas de piège pour vous sur ce mois de juin. Au contraire, vous avez un très beau coup de pouce qui vient vous ouvrir une porte. Ça peut être une proposition. Ça peut être la rencontre avec quelqu'un dont c'est son domaine d'expertise. Quelqu'un qui pourra justement vous guider, quelqu'un qui pourra vous accompagner. Quoi qu'il en soit, ici, on a une opportunité qui demande à être saisie, parce qu'elle sera magnifique, parce qu'elle vous sera profitable. Ici, on a la carte de la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est se retrouver peut-être sous la lumière des projecteurs. C'est se dévoiler, c'est se mettre en avant. C'est aussi une situation qui s'éclaircit et tout simplement une opportunité pour qu'un projet puisse ici voir le jour. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage. Donc ça, c'est l'oracle divinatoire Libération de l'âme de Magali Malinge.
qui est une très belle connaissance. Allez, tac. Accomplissement, victoire. Les amis vierges, quoi que vous entrepreniez, si vous avez des examens, c'est pareil. Ici, on a une notion de réussite. Je dis ça parce qu'effectivement, on arrive sur le mois de juin et il y a des triomphes qui arrivent, peut-être des personnes qui arrivent en fin de parcours, en fin de formation. Donc, effectivement, ici, vous allez pouvoir communiquer sur une réussite. Vous allez pouvoir communiquer, exprimer votre succès, faire entendre votre voix par rapport à ça. Et derrière, c'est simplement le fêter, en profiter. Hein. Donc, on retrouve cette notion de festivité qui est là. Alors, ok. Hop. Ok, alors une première étape de franchie, on retrouve d'ailleurs le symbolisme ici du trèfle de la chance qu'on a vu tout à l'heure juste avant avec les 77 d'Aliaske. Pouvoir communiquer dessus, pouvoir le partager avec les personnes que vous aimez, avec votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse. Ici, on retrouve le domaine des études, de l'apprentissage, de l'enseignement qui est là. C'est aussi, les amoureux, c'est la passion, c'est ce qu'on aime. Donc, c'est peut-être tout simplement une réussite par rapport à un projet de cœur ou qui va vous permettre ici de mettre en place un projet de cœur. C'est très rigolo parce que justement, j'allais dire un projecteur. Oui. Le projecteur s'allume ici pour vous, il s'allume sur votre projet. Et ça, du coup, c'est une autre étape. Alors, une autre étape qui va peut-être un petit peu apporter de confusion, soit pour vous, soit pour les personnes qui vous entourent, parce qu'ici, on a les proches, le foyer, la famille, voilà, ce qu'il y a dans votre vie personnelle, dans votre intimité. Ça peut être votre partenaire, ça peut être vos parents, par exemple, qui, eux, vont peut-être avoir des barrières mentales à vous dire « Ok, là, tu viens d'obtenir quelque chose, peut-être qu'ils n'y croyaient pas trop. » Et puis, bah, maintenant que c'est là, vous avez une nouvelle étape que vous allez devoir franchir. Et peut-être que vous avez des personnes ici qui peuvent ne pas trop comprendre ce que vous faites ou qui peuvent ne pas voir comment ça peut se mettre en place, comment ça peut fonctionner, comment ça peut se matérialiser, se concrétiser. Tout ce qu'on vous demande ici, c'est que l'évolution se fait par l'expérience. Donc, allez-y, mettez les choses en place. On a une énergie de vie, on a une énergie de feu ici avec le chakra sacré. C'est la passion, c'est ce qui vous anime. On ressent également que vous avez un regain de confiance et vous en avez bien raison. Parce que vous pouvez profiter ici de votre succès. Et quand on a des succès comme ça qui se mettent sur notre chemin, et ben forcément, ça nous dit que oui, on est bien dans la bonne direction. Ça donne une autre dimension à nos envies. Ça donne une autre dimension ici à ce que vous savez faire. Donc, continuez de vous laisser guider, de vous laisser porter, parce que ici on a le chakra coronal, donc on voit que vous êtes très bien connecté à ce monde subtil, à votre intuition. Accueillez aussi tout ce qui vient de l'univers, de la vie, du divin, de vos guides, vous les appelez comme vous voulez, parce que ici il y a des choses qui se concrétisent et qui se mettent en place pour pouvoir continuer d'agir sur votre champ d'action. On vous parle de plénitude. Si je regarde de nouveau effectivement cette carte ombre que l'on a eue, qui peut nous parler de retenue, mais ici, ouvrez-vous au succès, acceptez, accueillez aussi tout simplement ces réussites. Ces réussites, ce sont les vôtres, ce ne sont pas celles des autres, voilà. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental, avec là encore un nouvel oracle. C'est l'oracle Sex and Love. Pareil, hein, vous allez pouvoir avoir le lien sous la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous côté sentimental?
Enfin, j'adore. Alors, ici, on sent qu'il y a quelque chose. On nous parle de domination. La domination, c'est un rapport de force, un rapport de pouvoir qui peut y avoir sur un sujet donné. D'accord? Ici, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit global dans le couple. Je pense que ce soit quelque chose qui soit plus en lien avec voilà, un projet. Ici, on a quelque chose qui débute. Un projet qui débute. Et ce qu'on voit, c'est que au commencement, il y a quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de la prise de risque, hein, parce qu'on a cette notion ici de danger. Donc, vous allez peut-être devoir rassurer votre entourage par rapport à ce nouveau projet qui débute, qui démarre, qui commence. Alors, ici, la carte de la domination, c'est aussi une énergie de contrôle. On veut peut-être essayer de maîtriser les choses. Donc, on prend le contrôle et on peut avoir peut-être un peu moins de considération ou d'écoute pour son partenaire. Notamment s'il y a un choix qui diverge finalement du vôtre. Et là, ce que l'on vous dit a priori, c'est que ça ne sert à rien d'être dans un rapport de pouvoir, dans un rapport de force. Au contraire, ici, il va falloir apporter les choses avec beaucoup plus de douceur. C'est convaincre finalement, mais en apportant des éléments qui vont pouvoir permettre de rassurer l'un ou l'autre des parties. En tout cas, ce projet, il est là. C'est un projet qui va vous mener sur quelque chose de positif. On a quelque chose qui commence et qui est très intéressant. Et on a cette notion, voilà, de protection. Alors, pour les personnes qui sont célibataires ou pour les personnes qui viennent tout simplement de tout juste de faire une rencontre, effectivement ici il pourrait y avoir l'envie, la possibilité de démarrer une histoire. Alors ce que l'on voit c'est que il y a quand même ici une peur qui peut être présente. Si c'est un début de relation, peut-être que ben, vous apprenez à vous connaître. Donc, vous ne savez pas exactement tous les détails de la personnalité de la personne que vous avez en face. Et donc, vous pouvez avoir peur de tomber sur quelqu'un qui peut essayer. Alors, la domination, ici, ça me fait penser à la carte du diable avec cette notion d'attachement. Donc, il peut être, par exemple, dans la dépendance affective ou ça peut être la peur de tomber dans une relation dite superficielle. Alors que vous voulez partir sur quelque chose de concret qui s'installe, qui vous permette d'avancer, qui vous permette de faire des projets ensemble. A priori, ici pour moi, ce sont que des peurs, ce ne sont que des craintes qui pourraient justement vous faire que vous soyez sur la retenue. Et c'est dommage parce que ici, en fait, du coup, vous fermez un espace à une possibilité qui peut être intéressante parce que vous vous laissez dominer, diriger par vos propres peurs. Alors, on a tous un passif et peut-être ici que vous avez déjà vécu cette notion de domination, de rapport de force et de pouvoir au sein d'une relation et d'un couple. Si ça se reproduit, vous l'avez déjà vécu, vous saurez dire stop, non, je me protège et je n'accède pas à ce type de relation, je ne veux plus de ces énergies-là dans ma vie sentimentale. Donc ne vous inquiétez pas, vous saurez faire la part des choses, vous saurez arrêter quand ce sera nécessaire pour vous. Mais ne vous bloquez pas, ne vous interdisez pas de vivre quelque chose simplement parce qu'il y a des peurs qui sont encore présentes comme un reliquat ici finalement de votre passé. Et puis parfois il faut aussi savoir doser par exemple vous pouvez avoir un partenaire qui va être très couvant, vous voyez, un peu comme une maman qui va vouloir vous protéger. Et peut-être que vous, dans un premier temps, vous pouvez prendre ça comme il veut prendre l'ascendant. Seulement ici, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que votre couple, c'est plutôt un espace ici protecteur. Et que vous avez peut-être trouvé quelqu'un qui joue pleinement ce rôle de protecteur. D'ailleurs, c'est peut-être même un besoin. Vous avez peut-être ce besoin de vous sentir en sécurité dans le couple sans vous sentir non plus étouffé. Parce qu'en fait, la protection, elle ne doit pas empiéter sur le libre arbitre de chacun. Chacun doit justement pouvoir conserver sa part de liberté, chacun doit pouvoir rester indépendant dans sa vie personnelle. Et si ces conditions justement sont remplies, et bien finalement ce sentiment de protection, il est pleinement bénéfique ici pour le couple. Ok, allez on continue un petit peu plus loin, on va aller voir toujours sur le domaine sentimental ce qui se passe pour vous avec le tarot.
voir un petit peu les compléments d'information. Ou ben oui. Ouais. Oui, vraiment clairement un projet qui est hyper intéressant, que ce soit pour le couple ou vous célibataire, mais on voit que ça construit. On voit que ça construit quand même un début d'histoire, ou que si vous êtes en couple depuis un certain temps, ça construit ici un projet. Alors, il peut y avoir sur ce mois de juin des échanges de cadeaux. Alors, un cadeau n'est pas toujours que matériel, même si bien évidemment ça peut l'être, mais on sent que il y a l'envie de faire plaisir à l'autre et que c'est quelque chose qui est réciproque. Donc, ça peut être une semaine, votre chérie rentre avec un super beau bouquet de fleurs ou même juste une petite rose, et c'est quelque chose qui vous fait super plaisir. Et quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, c'est vous qui allez lui offrir un petit quelque chose, un petit rien, mais qui va faire plaisir. Donc, on a vraiment cette envie de pouvoir être là pour l'autre, cette envie de faire pour l'autre, et on a un bon équilibre parce que du coup, il y a une réciprocité qui est présente. Donc, on a ici une relation qui est équilibrée, qui est équitable, et on a ici des projets que vous allez pouvoir mettre en commun, faire en commun. On a d'ailleurs ce roi de bâton ici qui nous parle d'entreprendre, de vouloir, alors c'est même pas de vouloir, c'est d'être dans une énergie ici d'action, vouloir effectivement prendre les choses en main. On voit que vous avez ici une idée en tête et que ça y est, vous allez la mettre en œuvre. Le 2 de bâton, c'est, alors ça peut être aussi une notion de voyage, c'est le fait de se projeter sur ses projets, commencer à y réfléchir, comment vous allez pouvoir les mettre en œuvre, comment vous allez pouvoir les mettre en place. Vous allez peut-être ici chercher des informations, vous allez justement étudier. On retrouve d'ailleurs le valet de bâton qui est présent, qui nous parle souvent d'études, d'apprentissage. Donc voilà, vous préparez ici peut-être un voyage, vous préparez une réorientation, vous préparez un grand projet. Ça peut d'ailleurs être aussi professionnel. C'est-à-dire que peut-être que vous allez décider en couple de monter une entreprise, de monter un projet professionnel ensemble et à deux, parce qu'on a cette notion d'entreprendre. On a ici le côté très productif, c'est-à-dire qu'on y va, on passe du temps sur ce projet, on travaille sur ce projet. Je vous sens très enthousiaste dans ce tirage parce que il y a comme l'impression d'avoir, ça y est, enfin trouvé sa voie, enfin trouvé peut-être le bon partenaire. Voilà, on a vraiment quelque chose comme ça. On retrouve d'ailleurs le côté assez fougueux ici avec le cavalier de bâton. Et puis voilà, je vous sens émerveillé. On a le valet de bâton ici qui est présent. Vous êtes émerveillé. Vous avez peut-être ici découvert quelque chose de nouveau qui vous donne envie de creuser. Donc peut-être cette nouvelle relation qu'on a vue tout à l'heure et qui vous met des étoiles dans les yeux, ou bah, ce projet que vous pouvez avoir en couple qui, eh ben, tout simplement vous accapare, vous demande de l'énergie, mais c'est quelque chose qui vous enthousiasme vraiment. Alors d'ailleurs, pour les personnes où c'est un début de relation, ici on peut avoir quelque chose qui va très vite, hein. On a un début de relation qui peut être assez passionné. On a quand même beaucoup de bâtons qui nous parlent de passion. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec notamment l'oracle Astrokiff. Donc là, on va passer au petit message des guides. Alors, on a les échanges, les déplacements ici, avec effectivement une nouvelle porte qui s'ouvre et qui s'ouvre sur la stabilité. Ok, le changement, c'est pas tout de suite. Eh oui, on revoit la méfiance de la femme.
Ok. Ah, c'est intéressant. Alors, on a cette notion de déplacement qui est là. Il peut y avoir des déménagements, des réorientations, des changements de vie importants qui se mettent en place. En tout cas, vous communiquez dessus. Vous allez peut-être avoir des interlocuteurs privilégiés justement par rapport à votre projet. Et vous avez cette magnifique porte, c'est-à-dire c'est un passage, la porte. Donc c'est une nouvelle aventure qui débute, c'est une belle opportunité qui est présente et qui est là pour vous amener à la volupté, on vous dit ici, à la stabilité, j'ai presque envie de dire ici même à la récompense pour pouvoir justement être dans cette énergie du 9 de denier qu'on a vu tout à l'heure qui est je peux maintenant profiter du fruit de mon travail. Ce projet, il se prépare à l'heure actuelle, mais si on me dit le changement serait peut-être plus sur une période d'hiver, ok? Donc c'est quelque chose qui se met en place sur plusieurs mois, hein, d'accord? Donc, mais en même temps, voilà, si c'est un gros changement, c'est compréhensible. Si c'est un gros projet, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts. Donc le changement, il est en marche, il est en route, et puis on aura la période d'hiver ici qui sera un élément important dans la mise en place de ce changement. Alors ici, on a l'étoile de la femme. Alors, qui représente une énergie féminine ou qui vous représente vous? On a cette notion. Alors, j'ai la carte de la trahison, mais la trahison ici, je la sens plus comme la méfiance. Je regarde, j'observe, j'ai peur. D'accord? Et en fait, vos guides ici, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est utile de rester ancré sur cette peur? Ça peut être la peur de la trahison dans le domaine sentimental, hein, qui fait que du coup, on préfère mettre un petit peu de le holà dans un début de relation, par exemple, parce que on a peur de revivre quelque chose qu'on a déjà vécu là pour le coup. Et on vous dit, mais est-ce que vraiment c'est utile de d'avoir peur ici de cette trahison? Ça peut être lié ici à une problématique de confiance en soi, l'image que l'on renvoie. Ça peut être des complexes aussi qui peuvent être présents par rapport, voilà, au corps, etc. Mais est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est vrai? Est-ce que c'est valable? Vos guides vous disent ici que votre positionnement, il doit être clair, il doit être affirmé. Vous avez besoin de vous faire entendre et d'être compris clairement. D'ailleurs, on a la communication ici qui est présente. Et on me dit ici, ayez un regard objectif et sincère sur vous pour pouvoir justement déceler quelles sont vos forces et vos qualités. C'est comme si parfois on minimise un petit peu ses forces, ses atouts, alors qu'en réalité, ici, le but n'est pas de les cacher, mais de les mettre en avant. Ok, allez, on va aller voir un autre petit message. Alors. Reconnaissance publique, être sous le feu des projecteurs, je vous l'ai dit les amis vierges, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs, des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement. Et en toute honnêteté, on retrouve hein, cette notion de communication ici qui est présente. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts maintenant à toute nouvelle opportunité. Bon, bah écoutez, c'est un excellent message. Ça vient confirmer hein, tout ce qui a été vu avant. Alors, je vous fais un autre petit tirage. C'est le dernier, c'est quel est votre pouvoir personnel justement? Tout à l'heure, on parlait de vos atouts. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant? Quel est votre pouvoir personnel sur ce mois de juin? Eh bien, c'est que tout simplement, vous êtes prêt ou prête à vous lancer, à y aller. Alors d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'on voit que sur cette carte, elle se cache derrière ses mains parce que certainement, elle a une appréhension particulière. C'est plus le moment de se cacher. Au contraire, ici, c'est le moment de vous montrer. Vous êtes prête pour une nouvelle aventure. Et bien sûr, même si ben, ce n'est pas toujours rassurant, l'univers ici, il vous soutient dans cette étape et vous allez justement pouvoir au contraire en ressortir
sortie grandit. Il y a bien des choses auxquelles parfois on peut se préparer. Et puis il y a aussi parfois certaines choses auxquelles on n'a pas le temps de se préparer, mais on y va. Et d'ailleurs, si vous attendez d'être parfaitement, impeccablement prêt, ben vous savez, il y aura toujours quelque chose sur lequel vous allez pouvoir encore et encore et encore travailler. Et ça ne peut ne faire que retarder ici finalement ce départ dans l'aventure. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est ben, tout simplement qu'il faut savoir se lancer. Mieux vaut agir qu'attendre éternellement la perfection, parce que déjà, elle n'existe pas. Et si vous attendez de savoir si vous avez l'expérience, si vous avez le talent pour parvenir à vos fins, eh ben cette carte, elle vous donne la réponse. Et cette réponse, c'est tout simplement un grand oui. Donc voilà les amis vierges pour votre tirage pour le mois de juin. Très très beau tirage, très lumineux, avec énormément de félicitations, de reconnaissance. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo pour partager justement vos expériences, comment ça résonne avec vous, votre histoire personnelle. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao !